Et bien salut à tous, c'est Doninfo, j'espère que vous allez bien les amis, moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un unboxing sur un casque, donc un casque DJ de la marque Audiophonie qui a été sponsorisé par Quentin Moziman, donc un DJ qui passe sur Fun Radio si vous écoutez Fun Radio, moi pour ma part oui. Voilà, donc c'est un DJ et donc il a été sponsor par la marque, pourquoi? Car tout simplement il a acheté ce casque, il a testé et donc il a donné son avis, il a dit que ce casque était très très bon et donc c'est pour ça qu'il a été sponsorisé par la marque Audiophonie et donc il est sur les boîtes et donc on va l'ouvrir ensemble, on va le déballer. Ensuite moi je vais le tester dans mes soirées parce que oui, si vous savez pas, je fais des soirées DJ, j'anime des soirées, voilà. Donc je vais le tester et je vous dirai dans un mois ce que j'en pense de ce casque. Mais j'ai pas peur parce que quand on voit qu'un DJ autant connu que lui, quand il dit que ce casque est très bon, je pense que moi j'ai pas peur au niveau de, voilà, de la qualité et de la fiabilité de ce casque. On va enlever le petit blister. Donc voilà, on va le sortir. Donc je l'ouvre ici, je l'ouvre avec vous. Donc c'est parti, hop, on va pas trop abîmer la boîte. Voilà, on va faire un petit temps de taille. Alors, pour, si vous voulez le prix de ce casque, donc moi je l'ai payé 79€ chez un magasin professionnel qui vend du matériel pour faire des soirées, voilà. Donc voilà, je l'ai acheté 79€. Peut-être sur internet vous pouvez le toucher moins cher, je sais pas, parce que sur commande normalement c'est 10 fois moins cher. Mais voilà, moi je l'ai payé 79€. Voilà, c'est bon, on l'a sorti. Un peu la galère, en fait c'était ça qui dépassait, donc ça empêchait la sortie, voilà. Donc là je trouve que c'est plutôt pas mal de la marque Audiophonie, un packaging assez joli, voilà, une petite linguette qu'on tire. Donc ici on vient retrouver, voilà, une petite ouverture, d'autre côté aussi. Alors là on a, on va commencer plutôt par la partie simple, après on viendra sur le casque. Donc ici on a une prise jack, donc avec l'adaptateur fourni avec du plaqué or. Donc c'est un adaptateur 6,5 mm je crois, donc c'est pour les jacks normales. Ici on a le mini jack 3,5 mm, donc voilà, on a un adaptateur fourni avec, donc ça c'est plutôt pas mal, moi j'en ai deux maintenant. Ensuite, ben, on a une petite mousse ici, voilà, on va l'enlever et là voilà, on arrive sur le casque. Donc je vais le sortir et voilà la bête. Donc on va regarder sur le casque après, on va voir ce qu'il nous reste. Donc dans la boîte, il nous reste cette petite boîte. Donc une boîte dans une boîte, dans une boîte. Ça fait trois boîtes. Voilà, donc je vais poser ça. Donc après, voilà, tout ce qui est protection dedans, c'est très bien. C'est de la mousse, voilà, donc on n'a pas peur pour le transport. Je pense que je vais garder cette boîte pour mes transports. Voilà, donc là, on tire. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans, il doit y avoir les notices. J'ai vu qu'il y avait un câble bleu, donc on va voir. Voilà, hop. Donc voilà, ici, j'ai une petite notice, mais bon, ça, je m'en fiche un peu. Ici on a un petit étui de rangement, donc c'est pour ranger le casque, ça c'est très très bien. Ça franchement c'est très gentil de la part de la marque. Donc il y a marqué, ah ben, notification messenger. Il y a marqué sur la boîte Wink, je sais pas comment ça se prononce. Je pense que c'est la marque, mais c'est Audiophonie, je pense qu'il a fourni le système audio. Mais sinon voilà, je vois pas marqué Audiophonie. Donc voilà, le vendeur m'a dit qu'il y avait des trucs d'Audiophonie, donc je pense que c'est Audiophonie qui a fourni le système. Ici on a un deuxième câble, donc je pense que c'est un deuxième câble. C'est au cas où si celui-là il pète. Ou sinon, j'ai l'impression que c'est un câble qui est un peu plus long. Donc c'est jack vers jack, donc c'est jack 3,5 mm. Donc voilà, ça c'est une petite boîte qui a plus rien dedans. Voilà, là on a un petit étui de rangement assez sympa. Donc ça voilà, je garde, je vais pas le jeter. Et ici on a le casque. Alors on déplie comme ça, on déplie comme ça. Voilà. Voilà, après il a vraiment une jolie gueule, on peut dire. Sur les côtés, voilà, c'est un petit peu plastique, mais plastique lisse, on dirait que c'est de la mousse. Alors je peux pas trop vous l'expliquer comment c'est fait, mais après vraiment le toucher il est pas mal. Il y a quand même marqué Quentin Moziman, l'appareil, voilà. Et ensuite, je vais le mettre sur les oreilles, vite, pour faire un petit test d'isolation. Ah, franchement, l'isolation, il n'y a vraiment rien à dire. Le confort aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a vraiment un bon confort. Voilà. Bon, après, ça isole pas mieux qu'un QC35 ou qu'un QC25, hein, avec la petite option, voilà, où ça filtre le son. Il n'y a pas ça, c'est pas fait pour, déjà. Mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que si on se met comme ça, ouais, on est plutôt pas mal. Ça tient bien. Voilà, donc je vais vous dire en fonction des soirées que je ferai. Et voilà. Donc, on peut régler sur le côté la taille. Voilà. Ici, on a un petit... bouton bleu, ça sert pas à grand chose, ouais, non, ça bouge pas trop. Voilà, d'ici donc là ça tourne, voilà, on peut régler, hein, en fonction de ce qu'on veut. Mais voilà, je pense que ça c'est de la bonne qualité comparé à mon Newmark que j'avais avant. Ça change un peu, on découvre un petit peu les autres marques
Et je pense que ça fera le taf. Donc mes amis, j'espère que cette vidéo sur l'unboxing de ce casque, donc c'est une première pour moi parce que c'est une première fois que je déballe un casque en vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le concept, voilà, de déballer un casque et de la position de ma caméra qui a un petit peu changé que d'habitude, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur les casques, vous aimez tout ça, enfin voilà, sur l'audio, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et peut-être je pourrais acheter d'autres matériels. Bon, je vais pas acheter des casques tous les jours, mais peut-être on pourrait déballer des écouteurs, voilà tout ça. Et voilà, donc dites-moi si vous aimez un peu ça, si vous aimez un petit peu l'audio. Commentez-moi ça en description, enfin dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, moi je regarde et je vois en fonction. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet, et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et moi je vous dis à plus sur le Turfu vidéo. Salut !